Bonjour and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench/HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! Playing piano with one hand. Jouer au piano avec une seule main. Depuis qu'elle était toute petite, Joséphine a toujours été fascinée par le son du piano. Enfant, elle passait des heures à écouter sa mère jouer de magnifiques mélodies, rêvant un jour de pouvoir faire de même. Quand Joséphine a eu 6 ans, ses parents lui ont offert son premier petit piano. Elle était tellement contente. Dès lors, Joséphine a commencé à prendre des leçons et à s'entraîner. Jour après jour, elle travaillait ses gammes et répétait encore et encore les morceaux que son professeur lui avait donnés. Au fur et à mesure, Joséphine progressait à une vitesse fulgurante. Ses professeurs étaient impressionnés par son talent naturel et sa détermination. Ils lui prédisaient un bel avenir dans la musique. Quand Joséphine a eu 12 ans, elle a commencé à donner ses premiers concerts. Le public était toujours émerveillé par ses mélodies. Joséphine rayonnait sur scène, heureuse de partager sa passion. Ses parents étaient tellement fiers d'elle. Ils l'encourageaient à poursuivre ses études musicales, voyant en elle le potentiel d'une grande pianiste. Joséphine, quant à elle, ne rêvait que d'une chose: intégrer un jour le prestigieux Conservatoire national. À l'âge de 18 ans, Joséphine a finalement passé les auditions d'entrée. La compétition était rude, mais grâce à des années de travail, elle a réussi à décrocher une place. Joséphine était aux anges. Son rêve d'enfant allait enfin se réaliser. Elle allait pouvoir étudier la musique dans l'un des meilleurs établissements du pays, entourée des plus grands professeurs. Dès la rentrée, Joséphine a commencé à étudier. Elle s'entraînait pendant des heures chaque jour, perfectionnant son jeu et développant une technique virtuose. Ses professeurs étaient impressionnés par son niveau et son engagement. Quelques semaines avant les examens de fin d'année, Joséphine a malheureusement eu un grave accident. Alors qu'elle rangeait ses affaires après une session d'entraînement, elle a trébuché et s'est cassé l'annulaire de sa main droite. Quand les médecins l'ont examinée, ils lui ont annoncé une terrible nouvelle. À cause de la gravité de sa blessure, Joséphine ne pourrait plus jamais jouer normalement du piano. Sa carrière de pianiste était définitivement compromise. Joséphine était dévastée par cette annonce. Tous ses rêves, tous ses efforts, tout semblait s'écrouler devant elle. Elle a passé des jours entiers à pleurer, se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir faire.
Ses parents ont essayé de la réconforter du mieux qu'ils pouvaient. Mais rien ne semblait pouvoir apaiser sa peine. Puis, un jour, alors qu'elle regardait sa main gauche, une étincelle a jailli dans son esprit. Et si j'apprenais à jouer du piano avec ma main gauche? S'est-elle soudain demandé. Cette idée semblait complètement folle pour ses parents. Joséphine, tu sais bien que c'est impossible de jouer au niveau que tu as atteint avec seulement une main. Tu devrais plutôt envisager une autre carrière, lui ont-ils conseillé. Mais Joséphine était déterminée à ne pas abandonner son rêve. Je peux y arriver, j'en suis convaincue, a-t-elle répliqué. Sans perdre un instant, Joséphine a commencé à s'entraîner intensivement, des heures durant chaque jour. Au début, tout semblait tellement difficile. Elle avait l'impression de repartir de zéro, incapable de produire le moindre son harmonieux. Mais Joséphine n'a pas lâché prise. Jour après jour, elle a persévéré, s'acharnant sur les exercices les plus basiques. Petit à petit, sa main gauche gagnait en force et en agilité. Joséphine a beaucoup travaillé. Les gens autour d'elle ont été très étonnés. Ses parents ont vu qu'elle ne voulait pas abandonner. Ses professeurs ont été surpris de la revoir. Après beaucoup de temps, Joséphine a pu rejouer du piano avec une seule main. Ce n'était pas pareil qu'avant, mais c'était très beau. C'était différent, et parfois, elle utilisait un peu un doigt de son autre main. Le jour des examens de fin d'année est donc arrivé. Joséphine était extrêmement stressée, mais elle était aussi déterminée à prouver à tous qu'elle était capable d'accomplir son rêve. Lorsqu'elle est entrée sur scène, le silence s'est fait dans la salle. Joséphine a pris une grande inspiration, puis elle a commencé à jouer. Tout le monde était captivé par sa musique. Ses professeurs, qui avaient d'abord douté de ses capacités, étaient bouche bée. Quand elle a fini de jouer, tout le monde a applaudi. Après les examens, les juges ont beaucoup parlé entre eux. Ils ont dit que Joséphine pouvait entrer dans l'école de musique. Elle était très heureuse et surprise. Les années après, Joséphine a continué à travailler très dur. Elle est devenue très forte au piano, même avec des morceaux difficiles. Ses professeurs étaient très étonnés de voir sa façon de jouer. Joséphine était maintenant une très grande pianiste. Beaucoup de gens ont entendu parler d'elle dans le monde entier. Grâce à sa façon de jouer à une seule main, elle est devenue une légende. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!